Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour G Suite. Aujourd'hui, nous allons voir dans Sheets comment réaliser un calendrier automatique. Par exemple, ici, je vais mettre la date, donc l'année 2018, le mois. Ici, je souhaite avoir le numéro du jour, donc je vais mettre 1, 2, et je vais réaliser ma suite logique. Donc plutôt que d'avoir 1, 2, j'ai envie d'avoir 0, 1. Donc pour cela, nous allons modifier le format du nombre. Voilà. Et ici, je veux donc savoir si le jour c'est un lundi, mardi ou mercredi. Donc nous allons utiliser une fonction qui s'appelle la fonction date. Voilà. Donc ici, je vais aller chercher l'année, point virgule, le mois, point virgule, et le jour. Je ferme la parenthèse. Par contre, bien penser à mettre des dollars sur l'année parce que quand je vais recopier, je souhaite que l'année reste toujours à sa place. Donc je vais figer l'année et je vais figer le mois. Seul le jour va bouger. Je valide. Voilà. Je vais recopier ma formule. Et je vais appliquer un format. Autre format d'atter et je vais prendre juste ici le jour. J'applique et voilà. Et maintenant, si à la place de 2018 je mets 2019, on voit que ça a automatiquement bougé. Si je mets 01, on va voir que le 1er janvier 2019 est un mardi. Voilà. Alors bien sûr, je peux après dupliquer ma feuille afin d'avoir les mois de janvier-février et d'adapter, bien sûr, pour le mois de février, ne pas avoir 30 ou 31 jours. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur Google Sheet et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation.